Merci, M. Dany. Bonjour tout le monde. Ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Je suis ici aujourd'hui, entre autres, pour vous donner ma version des faits concernant les allégations qui circulent depuis déjà un bon moment à mon sujet. En 2018, j'ai été élue députée de Côte-du-Sud et rapidement nommée ministre déléguée au développement économique régional, ainsi que ministre responsable de trois régions, soit Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Tout cela a occasionné énormément de tâches. Je pense entre autres à construire des équipes, organiser un nouveau comté, comprendre comment fonctionnait le ministère, apprendre à travailler avec les équipes du MEI, connaître les 45 maires ici dans le Côte-du-Sud, leurs enjeux, découvrir les nombreux organismes ici dans la région et toutes les entreprises, rattraper le temps perdu pour les régions. C'est une des raisons pourquoi j'étais en politique, c'était de transformer les régions du Québec. Répondre aussi aux nombreux besoins des trois régions que je représentais, participer au Conseil des ministres, au Conseil du Trésor et j'en passe. J'avais tellement de volonté et j'étais tellement gonflée à bloc que j'étais prête à tout donner pour participer à changer le Québec. Pour réussir ces ambitions, ça me prenait une équipe solide. Je l'avoue, honnêtement, ça n'a pas été facile. Au départ, de trouver les bonnes personnes pour m'accompagner afin de réaliser ces ambitieux projets pour le Québec. J'avais aussi une tâche colossale, quand j'y pense avec du recul, mes mandats étaient importants. Juste dans la circonscription de Côte-du-Sud, c'était 45 municipalités qu'on avait avec qui travailler. Il est important que vous sachiez que l'Assemblée nationale a procédé à deux enquêtes approfondies sur des allégations me concernant. Enquêtes auxquelles j'ai collaboré entièrement, qui ont été longues et difficiles, pour moi, les miens et mes équipes. Je vous informe qu'à la suite de ces deux processus, l'enquêteur indépendant de l'Assemblée nationale a conclu, dans les deux cas, que les plaintes en harcèlement psychologique étaient non fondée. J'ai ici les deux rapports qui expliquent que les plaintes qui ont été déposées, qui ont été enquêtées en profondeur, sont non fondées. Pendant le processus d'enquête, qui devait supposément être confidentiel, tout a été alors médiatisé. Et je ne pouvais pas parler puisque j'avais signé des ententes de confidentialité avec l'enquêteur pour respecter le processus. Les autres parties n'ont pas eu alors le même respect de cette entente. Ça m'a valu mon poste de ministre. Et malgré cela, malgré les difficultés que j'ai eues, malgré la douleur que ça a occasionné, j'ai choisi de rester parce que j'avais des convictions. J'avais à cœur l'avenir, le développement du Québec, celui de ma région, en laquelle je crois énormément. Mes convictions étaient beaucoup plus fortes que la douleur occasionnée par ces états de fait. J'ai jamais, au grand, jamais baissé les bras. J'ai juste cherché à comprendre ce qui m'arrivait. Évidemment, à partir de ce moment-là, parce que je suis quelqu'un qui croit que tout est perfectible dans la vie, j'ai entrepris des démarches personnelles avec un psychologue, un coach en gestion. Je me suis beaucoup remise en question. Je tiens à vous confirmer que je suis une personne dévouée et ambitieuse pour le Québec, pour beaucoup de choses aussi, d'ailleurs. Il m'est peut-être arrivé d'être malhabile en début de mandat. Mais aujourd'hui, je tiens à dire que si j'ai blessé quelqu'un, qui que ce soit, je suis désolée et c'était complètement involontaire. J'ai toujours eu à cœur le bien des gens qui travaillent avec moi. Le bien-être de l'équipe est une valeur importante à mes yeux. En parallèle de toutes ces histoires, en parallèle de toutes ces difficultés, de ces épées de Damoclès qui étaient au-dessus de ma tête, j'ai continué à travailler pour ma région, à être une députée active et présente sur le terrain. C'est d'ailleurs plus de 380 millions de dollars que nous avons investis ici avec la CAQ en 4 ans.
Et là, à la veille de la campagne électorale, on ressort les mêmes histoires et allégations à mon sujet. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est de la diffamation, c'est du règlement de compte. Sachez que j'en aurais beaucoup à dire, mais je ne me rabaisserai pas au niveau de mes détracteurs, puisque moi, j'ai une éthique personnelle et professionnelle. Étant donné que plusieurs personnes semblent vouloir continuer à diffamer et à faire de la petite politique pour la campagne électorale à venir, j'ai pris la décision que je ne serai pas candidate à la prochaine élection. D'abord, je le fais parce que je ne veux pas être une distraction pour le parti que je respecte, soit la CAQ. Mais surtout, je veux que vous le sachiez et que vous l'entendiez, je le fais pour me protéger, protéger les miens, protéger les personnes en qui j'ai confiance, en qui et qui ont confiance en moi. Je fais de la politique pour défendre des idées, pour défendre des idéaux, non pas pour défendre ma réputation. J'aurais tellement aimé continuer pour poursuivre tout ce que j'avais entrepris de positif pour ma région du Québec. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai pris cette décision, mais soyons clairs, c'est moi qui l'ai prise, cette décision. Car toutes ces histoires commencent à miner mes convictions et mon moral. De fausses accusations, comme j'en subis depuis 3 ans, c'est lourd. Permettez-moi, en terminant, de faire des remerciements importants. Mes premiers merci pour les sons, pour les citoyens de Côte-du-Sud. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point je suis fière et honorée de vous représenter à l'Assemblée nationale. C'est vous qui m'avez élue pour la première fois avec une forte majorité en 2018. On a la plus belle région du Québec. On ne se le rappelle pas assez, il faut se le dire. On est bon dans Côte-du-Sud, puis il faut travailler ensemble. Vous rencontrer, vous écouter, vous voir aller m'ont grandement inspirée au cours des dernières années. Je suis encore plus fière de vivre ici avec ma famille. Maintenant, je souhaite remercier chaleureusement mon équipe, Thomas, Diane, Chantal, Marie-Josée. Vous êtes une équipe en or avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. On aurait tellement fait une équipe de feu en campagne électorale. Mes bénévoles aussi, un grand merci. Vous êtes des gens de cœur, dévoués pour la population. Vous me manquerez énormément. Également, les différents acteurs, ils se reconnaîtront, qui se sont impliqués pour promouvoir la région positivement et contribuer à son rayonnement. Merci. Merci aussi aux élus municipaux qui sont nombreux ici, à mon collègue fédéral avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger pour sans cesse trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie de notre région. Puis merci à mes collègues députés du gouvernement. Vous côtoyer au quotidien durant ces 4 dernières années a été certainement enrichissant et stimulant. Je vais tellement m'ennuyer de vous. On est une équipe incroyable. Monsieur Legault, merci. Merci pour votre amitié. Merci pour ces 20 dernières années. Ce fut un honneur d'être à vos côtés, M. Legault, pour être le premier mandat de la CAQ au gouvernement. C'est une expérience inoubliable et je vous remercierai jamais assez. Continuez, lâchez pas, vous êtes exceptionnels. Mes derniers remerciements sont pour ma famille et mes amis. Chers amis, vous êtes précieux. J'en ai beaucoup et je suis bien entourée. Vos bons mots, vos conseils et votre humour m'ont aidée à traverser ce grand défi qu'a été la politique. Mes parents, Lise et Jean-Paul, mes beaux-parents, Jean, Cécile et Raymonde, comment vous remercier pour votre amour inconditionnel? Je sais que vous avez trouvé certains passages difficiles. Mais vous ne me l'avez jamais, mais au grand jamais, fait sentir.
Guillaume, Jean-Christophe, Damien, Maxence, mes amours. Vous avez toujours été là, patient, dans mes bons moments comme dans les pires tempêtes. Vous avoir à mes côtés, coûte que coûte, m'a donné la plus grande force au monde. Je vous aime très fort, puis je vais être avec vous maintenant. Merci à tous.